Dit Monsieur Beta Simon tout de suite dans Party Time. Soko farugu. Ziao, zia. Ziao, zia. Where is ziao, zia? Ziao, zia. Zia, c'est un oiseau. Un oiseau qui fait de jolis nids mais qui n'a jamais de place pour dormir. Parce que l'homme détruit le nid de cet oiseau et il fait de ça un décor. L'oiseau s'est mis à pleurer et dit, oh, ils ont détruit mon nid. Et son ami vient pour lui dire, non, pleure pas, moi je connais les humains. Ils sont toujours prêts à détruire ce qui ne leur appartient pas parce qu'ils ont un certain souci de stand de vigne de vie à préserver. Oui, mais faut pas pleurer. Dis-toi que l'éléphant dit qu'il est rassasié. La fourmi aussi dit qu'elle est rassasiée. Les deux n'ont pas consommé la même quantité, mais les deux sont rassasiés. Ce n'est pas en dormant sur un lit en or qu'on fait des beaux rêves. Tu peux être par terre et puis faire un beau rêve. Faut pas t'inquiéter. Oui, le petit oiseau. Mais quand on dit à un riche, demain tu vas être pauvre, oulala. Ziao, zia. Aha. Ziao, zia. Bonne ziao, zia. Ziao, zia. Able. Ziao, zia. Bonne ziao, zia. Ziao, zia. Belle chanson. Merci. Belle chanson, beau texte. Moi, j'étais à fond et j'écoutais. Un deuxième morceau ? Il n'y a pas de ni problème. Monsieur Beta Simon, live acoustique, party time. Joy, I want it down on the hour.
Begum Jorai. He won Indian Nosey Awa. Hella, Fregum Jorai. Vovo to Remo Panyomua. Mumu Jaye. Monjan Fregum. Sammy Quapio on a Susan Jarifia. Oh, one Yawani. But it is here. Sammy Quapio on a Jua. Oh, one Yawa. But it is here. No zire mse, no zense, no zire mse, no zense. Africa president sanare, America president sanare, Europe president sanare, Oceania president sanare. Kwane non kwe go tadi kwade. Éradiquer la famine, on peut. Mais seulement tellement que nous sommes négatifs, des fois on dit on va lutter contre la faim. Non, on ne lutte pas contre la faim, on fait seulement à manger, puis c'est tout. Quand tu arrives dans une maison qu'il fait noir, tu ne luttes pas contre l'obscurité, tu allumes la lumière et puis c'est tout. Mais sauf que la philosophie économique nous dit, il faudra que la marchandise soit rare pour qu'elle soit chère. Donc automatiquement, ils sont obligés de rarifier ce que la nature nous donne abondamment, parce que s'il y en a trop, ça ne va pas être cher. Raison pour laquelle de temps en temps dans les supermarchés, même s'il y a de quoi manger, les carottes, la viande qui n'est même pas pourrie, ils prennent ça, ils jettent, et quand ils jettent ça, ils ne s'arrêtent pas là. Ils mettent de l'eau de Javel dessus, il ne faut pas que les autres vont prendre ça. C'est ça leur philosophie. Parce que s'il y en a trop, ce n'est pas bien. Monsieur Beta Simon, voilà. Voilà, franchement, voilà, tout le monde applaudit.